Mais il y a des cadavres partout, qu'est-ce qu'ils ont encore fait, la milice? Hop, je vais récupérer mon dû. Dispersion! Ah! Attends! Dans une zone interdite. Ah 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 non. Non. Thierry, tu peux nous chanter une chanson? Chanter, toi, c'est bon. Laquelle? Chanson de la Anorak. Un Anorak, mot qui vient des Esquimaux. Un Anorak, pour quand il fait pas beau. Aïe, lâche-moi. Ah, labyrinthe que tu vas devoir réaliser avec le taille-haie dans le jardin. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Quand t'as fait ça, tu vas entendre un petit. Oh mon dieu, un mécanisme. C'est où? Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais. En fait, tu te rends compte que le mécanisme, c'est l'horloge du village. À 4 km de là, en fait, parce que, en fait, il y a des petites aiguilles, hop, ça a bougé, hop, ça a ouvert un mécanisme. Donc. Pour atteindre l'horloge, il faut que tu connectes les câbles dans la cave. Donc du coup, faut que tu descendes dans la cave, tu connectes les petits câbles, et normalement, tu vas entendre l'horloge qui va faire ding-dong. Il va me faire le crever, c'est con. À partir de là, à part le ding-dong, il faut que tu sortes un magnétophone. Tu le tiens vers le haut, comme ça. Très important. Bah oui. Pourquoi? Le magnétophone, sinon, il ne l'entend pas. Faut capter le son, parce que c'est une fréquence spéciale. Tu prends le... Hop, après, tu le mets dans ta poche. Et là, tu fais play. Parce qu'en fait, le son étouffé de la poche crée encore un autre son. Et hop! Après, t'as un zombie qui se lève et il te donne une clé. Mais tu es fou! Mais tu es fou! Mais va au chômage! Va construire des maisons! Va faire le maçon! Le fameux menhir de Boubouche, je peux pas vous en parler. Je peux pas vous parler du menhir. Non, c'est dangereux, vraiment. C'est marrant parce que tous ceux qui étaient là le jour où j'ai expliqué l'histoire du menhir, je crois qu'on avait, en mode premier degré, on avait des gens qui pleuraient de rire. Le menhir. Mais qu'est-ce que c'est? Un jour, je vais aux toilettes. Et genre, j'avais pas yèche depuis plusieurs jours, facile, tu vois. Donc, je vais aux toilettes. Et là, je pose ma pêche et putain! Je pose mon truc, tu sais! Je me suis dit, wow! Putain, j'ai perdu du poids d'un coup là, c'est bizarre, tu vois. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir balancé plus que prévu, tu vois. Je me lève, je fais mon affaire, hop, puis qu'est-ce qu'on fait? On a un réflexe en général quand on pose une pêche. Tu jettes un œil, tu te dis, oh! Tu te rends compte? Tu te rends compte que si on pouvait faire payer ça, je serais millionnaire, quoi. Voilà, tu regardes toujours l'œuvre, tu regardes le tableau, toujours. Du coup, tu as. Déjà, et là, tu te dis, mais ils étaient combien à le faire celui-là? Enfin, c'est vrai, sur le moment, je le regarde comme ça, je fais. Ils étaient combien là sur l'œuvre? Parce que je me dis, ok, voilà, j'ai fait mon affaire, bam bam, je mets du papier, du machin, hop, je baisse la cuvette, et là je tire la chasse, tu vois. Je tire la chasse, hop, je rouvre la cuvette. Alors c'est quand même bizarre, parce qu'il y a tout qui est parti sauf ce que j'ai appelé le menhir, hein, j'ai appelé ça un menhir. Je me dis, merde, pour faire un jeu de mots, hein. Je me dis, merde, il y a un problème là. Je me dis, bon, c'est pas grave, rebaisse la cuvette, j'attends que la chasse d'eau elle se re-remplisse, et là je me dis, mec, t'appuies fort sur les boutons pour que l'eau elle balance très fort. Je rappuie comme ça, je rouvre la cuvette. Le menhir! Il est encore là, eh! Toujours pareil, même position, tranquille, posé, tel des vacances! Je dis non, là, il y a un problème. Je me suis donc dit, là, va falloir être bon, là. Je me suis dit, tiens, bon, je vais pas faire ça avec la main. Non, je vais pas le faire à la main, c'est mort. Mais, ceci est une brosse. Une brosse à. Brosse à te chiot. La brosse à chiottes, tu vois. Calcule bien, normalement, avec ta brosse, tu appliques! Tu vises bien! Tu vises comme ça, tu vises le menhir! Et tu appliques un point de fission.
Résultat, tu fends la caillasse. La caillasse fendue, j'enlève la brosse, je ferme la cuvette, j'appuie sur le truc. Et là, je regarde sur la broche. Ah, il y avait des graviers partout dessus. Mec, j'avais laissé des morceaux. Je rouvre la cuvette. Oh mon dieu, elle est partie. Le menhir était parti. L'œuvre était accomplie. Et ben après, j'ai repassé 5 minutes à essayer d'enlever les graviers. L'histoire du menhir. Je suis très fier de ça, d'accord. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? C'est une histoire authentique. Et en gros, en fait, il fallait faire des articles sur son blog beauté de tests de sextoy, en fait. Mais... Voilà. Alors, bon, Sarah dit non, hein. Je l'ai testé sur la plage horaire 18-19. T'as testé qui, ma soeur? Voilà. Non, pas... bah, non, j'ai pas entendu la fin. Bah c'est rien, c'était juste en fait pour faire des articles sur des sextoys. En fait il fallait les tester et en faire ah des articles quoi. Ah ouais, ah ouais, t'as ah ouais. Testé ma soeur. Mais non. J'ai pas fait non ça. Parce que voilà. Ah, je t'avais dit. Je t'avais dit. On va te remettre sur. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Maniez-vous un peu. On fait vite, montez la garde. La garde. Il était quoi? C'est pas vrai, qui a préparé ces sacs? Ouais, et elle aussi, elle va crever, c'est trop une noob, ça se voit. Donc elle est... Voilà. Mais qu'est-ce la scène était cool. Putain. La scène était très cool. Remettre. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Peut-être puis-je grimper ici? Alors ça, c'est très fort. C'est-à-dire que c'est que maintenant que le mec, il dit, tiens, j'ai peut-être passé d'un balcon à l'autre. T'aurais pas pu faire ça, tu aurais chose. Oh là, excusez-moi. Je me suis emballé sur le clic, je crois. Ça se trouve, tu as quelque chose sous ton bureau, toi aussi. C'est ma bite. C'est vrai, tout va bien, c'est ma bite, je la connais bien. On se connaît bien, elle et moi, on se comprend. On partage pas mal de choses. Fin... Ouais, c'est marrant. C'est cuillère à café, CS cuillère à soupe. Vous êtes sérieux là? Ah non, c'est vrai? Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. C'est vrai, ouais. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir. Ah, c'est vraiment ça? Ah oui, je suis vraiment débile alors. Ah, je suis le pire des débiles quoi. Mais encore! Et Destroying maintenant. Tu parais qu'il me donne ça parce qu'il va se sentir coupable de pas être abonné à ma playlist Spotify. Tu paries? Mange mon fiac bouche capa. Ça va? C'est insupportable votre attitude! Alors non! Enfin, oui! Mais c'était pas ce que je pensais! je vais bien, j'ai pas les moyens de m'acheter un ordi convenable. Ah, mais t'as quoi comme PC? T'as vraiment. Même un ordinateur, ça te fait pas? Oh, wow! Excuse-moi! Il a tiré comment là? Y'a que moi qui ai vu la pose du perso ou pas? Perso il voit le moment. Tu vas recommencer, tu vas bien mourir. Si tu ne vas pas recommencer avec des balles, tu vas prendre des gros. Hey, laisse pas chanter. Je disais donc que tu vas crever. Je disais donc que tu vas crever. Il va falloir trouver du bon heal avec un petit boost par là. Et se l'appliquer et se faire un beau bandage sur le bras. T'inquiète. Waouh. Oh. Pardon. C'est génial. Oh, il a volé. Oh, il a volé.